On a préféré acquérir ce terrain pour pouvoir faire notre propre centre de formation. C'est un gros avantage déjà pour nous, personnel fédé, donc formateur, ça nous permet d'être sur notre centre de formation, pouvoir y travailler toute la semaine, donc pouvoir passer un nombre de candidats conséquents. Bon, la rénovation a commencé, on va la récupérer pour faire une salle de formation et puis un accueil pour les candidats lorsqu'ils viendront de passer leur examen. On a eu un cours théorique où ils nous ont appris le maniement de l'arme et là maintenant on passe à la pratique aujourd'hui, donc mercredi et vendredi on passe l'examen. Ce qui a changé en 2014, c'est qu'on est passé à un examen unique. Tout se fait sur le même centre de formation avec une partie pratique qui termine sur une partie théorique. Les questions ont été diminuées de 21, elles sont passées à 10 questions. La pratique est à 21 points, elle est restée à 21 points, mais elle prend un gros coefficient. Donc 21 points la pratique, 10 points la théorie. Et il faut que le candidat obtienne la note de 25 sur 31. C'est beaucoup sur la sécurité, le maniement de l'arme, tout, voilà, la sécurité. Tout est basé sur la sécurité, les consignes de sécurité, là où je suis sur le poste, où on demande aux candidats de les connaître. Donc, ne pas charger avant le début de battue, attendre la fin de battue, ne pas se déplacer du poste, prendre conscience qu'un poste a été matérialisé par un chef de battue. Donc, s'il a été matérialisé ici, c'est pour des raisons de sécurité. Et après, comme on a vu à la première partie, des silhouettes qui bougent, des habitations, des rangements d'armes dans le véhicule. L'Office national de la chasse a rajouté depuis 2 ans ou 3 ans le semi-automatique, parce qu'un gros nombre de nos chasseurs utilisent les semi-automatiques. Donc, on les fait manipuler aussi. Arriver au véhicule, et bien, première des choses, c'est décharger son arme. On s'aperçoit encore que beaucoup de chasseurs oublient de décharger leur arme avant de le ranger dans le véhicule. Et voilà, donc on apprend les bonnes méthodes pour se servir de l'arme et avec des formateurs. C'est un coût, hein, certain, hein, 285 000 euros, hein, où on a demandé quand même derrière des financements aux collectivités publiques, hein, que ce soit le conseil départemental, le conseil régional, Perpignan Métropole, donc ils nous financent en partie l'acquisition et les travaux pour ce centre de formation. Il nous restera environ 120 000-130 000 euros à emprunter sur 10 ou 15 ans, de façon à pouvoir financer l'intégralité de ce centre.